Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve en forme avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Bienvenue à nouveau sur la chaîne, j'espère que ma chaîne vous apportera un petit plus en cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une petite salade d'haricots verts, bien composée, bien doux. En tout cas, ça aide quand on a la flemme. Du coup, sans trop tarder, pas trop tout de suite à la recette. Alors, pour faire notre recette, les amis, il faudra votre bol, des pommes de terre déjà cuites. Ici, j'ai 2 œufs, 2 boîtes d'haricots. Donc, moi, j'ai pris ça en boîte de conserve, du maïs, du thon, oignon, ail, poivre, sel, un peu de vinaigre blanc et un peu d'huile de tournesol ou d'olive. Du coup, ce qu'on va faire, on va mettre nos pommes de terre. Donc, moi, là, c'était une grosse pomme de terre que j'ai découpée. Puis, j'ai fait cuire. Donc, là, je mets mes haricots verts. Mes haricots verts, du coup, vous pouvez mettre des haricots frais. Enfin, je sais pas si vous en avez. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais en boîte. De toute façon, on veut quelque chose de rapide. Donc, j'ai pris ce que j'avais dans le placard et puis boum, bam. Là, j'ai mis mon maïs et je vais mettre le thon. Donc, quand on n'a pas trop le temps, ça peut dépanner. Pour manger avec un petit bout de pain à côté, franchement, ça déguste. Et c'est bon. Voilà. En tout cas, bienvenue à nouveau sur la chaîne. J'espère que la chaîne vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et d'activer la cloche. Donc là, j'avais oublié mon petit mayonnaise à côté. Donc, prenez bien la mayo. On va faire notre petite sauce après avoir tout mis dans notre saladier là. Donc là, je vais découper mon petit oignon rapidement. Voilà, un petit oignon rouge. Après, vous pouvez prendre un oignon blanc si vous aimez plutôt les blancs. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop le rouge. Apparemment, le goût est trop prononcé. En tout cas, moi, ça fait un bon moment que j'utilise les oignons rouges. Et c'est excellent. En plus, pour la santé, n'hésitez pas à en manger et à en consommer. Bref, on découpe notre oignon. Quand on a fini, on va venir mettre les autres éléments pour faire notre petite sauce vinaigrette. Ça, les copains. Donc là, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais mettre le vinaigre. C'est du vinaigre blanc. Si vous n'aimez pas le vinaigre, vous pouvez mettre un peu de citron. C'est très bien. On met l'huile. Ensuite, on va bien mélanger. Voilà. Donc, n'hésitez pas à changer les trucs. Quand vous n'aimez pas, vous mettez ce que vous aimez, bien sûr, les amis. Donc là, j'ai un peu sel, poivre et un peu d'ail en poudre. Ça va bien rehausser le goût des haricots. Voilà. Et après, je vais rincer mon truc là, ma cuillère et j'arrive. Ouais. Donc là, après avoir rincé ma cuillère, je vais mettre un peu de mayonnaise. Voilà. 2 grosses cuillères. On va mettre. Ça sera bon. 2 grosses cuillères. Donc là. Enfin. Voilà. On met la mayo. On mélange. Et après, il n'y a plus qu'à. Hein. Vous goûtez, vous réajustez les épices. Et après. Il n'y a plus qu'à mélanger. Vous voyez, c'est simple et efficace. Essayez cette salade, vous allez vraiment kiffer. En tout cas, c'est moi qui vous le dis, les amis. Donc, j'avais oublié le sel. Je mets un peu de sel. Et on est bon. Voilà, on mélange. Et après, on fait notre salade. Et après, on cherche notre pain. Après, on déguste. Voilà. Rien de sorcier dans cette recette. Donc voilà, on vient bien mélanger tout ça. Comme je l'ai dit, si vous n'aimez pas cette façon dont je fais ma vinaigrette, là, ma sauce de salade, faites comme bon vous semble. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Et comme je dis toujours, en cuisine, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de limites. Les limites, on se les met nous-mêmes, en fait. On ne se met pas de limites, parce que les limites, c'est dans la tête. Dans la vie, il n'y a pas de limites. On fait ce qu'on veut, ce qu'on aime, et puis... Et puis, on vit, en fait. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit, les amis. Donc, on va bien mélanger notre salade, là, bien composée, bien doux, bien sucrée, bien... En tout cas, j'aime beaucoup cette salade. N'hésitez pas à refaire chez vous. Vous allez voir à coup sûr que vous allez aimer. À part si vous n'aimez pas les légumes, là, je ne peux rien pour vous. Voilà. Donc, je mélange bien, les amis. En tout cas, n'oubliez pas de commenter. Vos commentaires sont essentiels
pour booster la chaîne. En tout cas, le peu de commentaires que j'ai me font toujours plaisir de les répondre et j'espère que dans un avenir proche, vous serez moins timide et mettrez des commentaires pour m'encourager. Donc là, j'ai fini de mélanger la petite salade. Ce que je vais faire, on va mettre les œufs. Après, c'est bon, on a fini, les amis, tout simplement. Voilà, donc les œufs, en gros, c'est pour la déco. Après, si vous aimez beaucoup les œufs, mettez-en plus, hein. Faites-vous plaisir, c'est une bonne salade bien composée. Donc, si vous aimez beaucoup les œufs, n'hésitez pas à en rajouter à votre guise, la quantité qui vous fera plaisir. Voilà. Donc, moi, je dispose ça de cette façon. Et après, bah, c'est tout, les copains. En tout cas, j'espère que le petit partage vous aura plu, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, comme dit tantôt, de commenter, d'activer la cloche, de mettre un petit pouce, un petit j'aime pour m'aider et pour m'encourager, bien sûr. Et surtout, ne soyez pas timide, ici, c'est la maison. Et voilà, je vais vous montrer de plus près, les amis, ce que ça donne. Regardez, une bonne salade qui donne super envie de déguster avec un bon petit pain à côté et une bouteille d'eau. N'est-ce pas? Alors, voilà. Finish les amis, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche. Prenez soin de vous et de vos familles. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Des bisous, ciao.